Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première, n'hésitez pas à aller la voir, elle est déjà dispo. C'était Cody Rhodes face à Kevin Owens. On est là pour faire les combats, ou ceux qui m'intéressent le plus, dans le pay-per-view Bash in Berlin, qui a lieu ce samedi à 19h ou à 17h pour le kick-off, qui est dispo gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Il me semble même que c'est diffusé aussi sur Facebook et peut-être même autre part. En tout cas, c'est gratuit si vous voulez voir le kick-off. Pour l'instant, j'ai pas vu de match qui était annoncé, mais peut-être que il y aura un petit match ou deux qui sera annoncé, on verra bien. Sauf que là, tag team match, Rhea Ripley et Damien Priest a envie de faire la misère à Liv Morgan et Dominique Mysterio, eh ouais, le dodo, qui a travaillé Rhea Ripley, pardon, excusez-moi, pour une plus jeune, disons, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire Liv Morgan. Très intéressé par ce match parce que j'ai envie de voir comment ça va finir. C'est comme... ouais, les émissions à nom de rose, tout ça, les feux de l'amour et tout, moi j'aime bien. J'ai envie de savoir un peu comment ça va être tourné. Donc très très hâte. Et c'est du divertissement parce qu'on a quand même des grosses affiches dans ce pay-per-view. Et là, ça fait du bien d'avoir quelque chose d'un peu plus... Oh là! Ah ouais, tu... Hop là, allez. Reste au sol. Attention quand même à ne pas taper Liv malencontreusement. Ça fait un peu bizarre d'avoir Dominique Mysterio avec sa tenue du Jugement Day, sachant qu'il est un petit roublard, mais on va laisser comme ça. Et je pense que dans ce match, j'ai oublié de vous le dire, si vous voulez laisser un petit like, merci à vous, ça mange pas. Voilà. Et surtout, pour moi, c'est clair et net, mais j'ai peut-être tort, comme souvent. Rhea Ripley et Damien Priest doivent gagner. Voilà, il faut montrer à Dominique et à Ripley que... ce qu'ils ont fait, c'est mal, mais dans un sens, ils peuvent aussi faire gagner Dominique et Liv pour montrer que c'est un couple parfait. Qu'il y a beaucoup de hype sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui soit ragent, soit sont heureux, donc ça crée de l'engagement. Et c'est ce qui est important. Donc pourquoi pas donner plus de crédit, en fait. Vous voyez, je suis en train de dire le... tout il a son inverse, parce que les deux sont vraiment possibles. Oh là, jouer ça. Tout est possible dans ce match. Les issues sont... par million. Par contre, toi, tu vas vite te calmer. Hop là. Là, j'étais pas au courant, mais Damien Priest, il a la quarantaine. Je le voyais plus jeune. Alors, je le voyais dans la trentaine, un peu comme moi. Ouais. Alors, je me compare à Damien Priest. Et alors, est-ce que ça pose un problème? Oui, il contacte les abdos, bien sûr. C'est vrai qu'il est là depuis un bon temps. Il a jamais... enfin, il a été assez tardivement, on va dire, sur le devant de la scène. Qu'il a souvent été un petit peu derrière et tout, mais c'est bien, c'est mérité, parce qu'à ce qui paraît, il a été, c'est un gros bosseur, il a donné aussi beaucoup de sa personne, voilà, et comme on dit souvent, dans tout, ça peut arriver, soit un bosseur, soit quelqu'un qui rend service, ou même qui fait des tâches un peu ingrates, et parfois, tu vas être récompensé, bon, des fois, ça l'est pas du tout, t'as beau être gentil, t'as beau, comme je viens de dire, voilà, à toutes les tâches ingrates, être un bon pote, être tout ce que tu veux. Et t'es pas récompensé. Mais après, c'est la vie. Faut pas se dire, ouais. Faut pas aussi attendre absolument une récompense. Parce que quand on fait quelque chose de bien, faut le faire parce qu'on a envie de le faire. Et pas en se disant, ah, et s'il m'arrivait quelque chose, enfin. Oula. Oula là. Mais non. Mais non. Mais c'est de. Mais n'importe quoi. On va recommencer. En plus, c'est Domi. Alors là, j'ai jamais fait un match tag team dans les jeux de catch qui s'est fini comme ça. Jamais. C'est-à-dire, il y a une disqualification. Généralement, c'est à cause de moi. C'est parce que c'est moi qui ai tapé. J'ai fait une erreur. Mais là, le fait que Liv arrive sur le ring très rapidement d'ailleurs, et que Dominique, en se relevant, je sais pas ce qu'il a fait, il a donné un coup. En fait, c'est eux qui auraient dû être éliminés, on aurait dû gagner. Enfin, après on a gagné, parce que c'est... Mais je veux dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Eve. Oh là là, attention. Il splash. C'est vrai. Pourtant j'en ai fait des combats comme ça, là. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, au moins c'est drôle. Coup de tête, ouais, tiens. Comme ça le match il est un peu différent. On l'a surdominé. Peut-être que là, ça va être pas pareil. Bon, j'ai l'impression que d'un match à l'autre... Après, j'avoue, Rhea Ripley face à Liv Morgan, même si Liv a une meilleure note cette année, ça c'est pas un problème. Mais c'est Rhea Ripley,
celle de la patronne. Oh les. Et ça m'a fait perdre un peu le fil de tout ce qui aurait pu se passer là. Je n'avais pas prévu de comment jouer, que moi je joue sur le feeling. Voilà. Eh. On veut se la péter, mais pas trop non plus, parce que là il faut se dire que Rare Replay, pardon, elle est énervée. Elle est censée être bien bien énervée. Bien joué. Donc on doit un peu surjouer, on doit se moquer, on doit la provoquer. Ah mais c'est bon, une fois je veux bien, deux fois. Faut se calmer, s'il te plaît. Voilà. Ça t'apprendra ça. Devant Dominique, regarde. Tu vois, t'as préféré ça à la puissance. En plus, moi c'est de la puissance comme Rof, hein, quand il faisait des bons morceaux. What? Ah bah dis, tu m'as mis des coups de tête. Ok, ok Charlie. T'as mis des coups de tête, moi je te mets la tête sur le ring. Oh là là. C'est le moment de contrer. Je compte sur moi. Bien joué, ça. Et on la soulève. Ou pas. Ou pas. Loompa. Tiens. Oh, j'ai envie de mettre des droites, là. Pas à Liv, hein, spécialement, mais juste... J'ai envie de taper. Et c'est bon, tu me l'as fait 43 fois depuis tout à l'heure. Pleine puissance. Bowing, je vais te briser en deux. Alors, t'as là, on nous a contré. Voilà. Là, nous contre pas. Ah, mais ça m'a bien fait sourire, quand même. Hein. C'est... Ouh! 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 Oh! Ouh! Je fais le public, hein. Voilà. Si vous cherchez quelqu'un, comédien de doublage dans l'audiovisuel, n'hésitez pas, je suis là. Je prends les petits, les gros contrats, les moyens contrats, les contrats comme ci, les contrats comme ça. Pas de soucis. Voilà, celle-là, j'adore comme prise. C'est vraiment la prise, marteau pilon. Genre, tu vas au chantier, tu fais la même. Sauf que là, nous, on le fait qu'un corps humain. Allez, ça fait mal, ça, ouais. C'est normal. Oh non! Oh non! Attention! Et ouais. Tiens, prends-toi. Oh, attends. Un chassé qui passe pas d'un main place, comment ça? J'aimerais trop faire une vidéo où... je cherche toutes les pointures des superstars. Vous n'êtes pas curieux de vous dire combien fait en pointure Dominique Mysterio? Combien fait Damien Priest? Et Liv Morgan a fait du combien? Du 38 ou du 43? C'est pas un truc de fétichiste, hein, mais c'est juste, moi je suis curieux. En fait, avec le temps, je suis devenu quelqu'un de très très curieux. Et j'aime bien me poser des questions bêtes. Voilà, c'est le cas. J'aime bien aussi savoir la taille des gens. Et je suis assez curieux. Souvent quand... Oh, quand je mets live Twitch, bah, je pose des questions comme ça, des petits dilemmes, genre... je pose des situations où il y a un choix à faire, et après on discute un peu, enfin... Oui, n'importe quoi. Justement, des lives, c'est fait pour communiquer, et passer du bon temps. Et moi, poser des questions et interagir avec les gens, ça fait partie des choses que j'adore. Et là, pas de questions d'interaction. Là, c'est une question où ils vont morfler. Oh là là, bien joué, ça... Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de beau? D'accord. Une esquive. Ok, ça inspire. Oh, ça inspire. Oh, ça m'inspire. Oh, ça m'inspire. Monsieur l'arbitre, vas-y, faites le tour du monde pendant que vous y êtes. Et un... Ah ouais. Ah bah, c'est sûr que... À partir de là... Alors, pas pu aller bien loin. Bah, ça, c'est ça que j'aime bien comme prise aussi. Et les prises simples. Pas trop élaboré parfois. Parfois c'est bien d'avoir des grosses prises, ça je suis pas contre. Mais des fois voilà, même comme ça, prise de judo. C'est très très bien. On va jouer. Là, si on peut contrer. Je tente quand même. Et bah non. Oh là là. Elle m'a pété le nez avec ses genoux. Enfin son genou, précisément. Non, 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 ne vous tapez pas s'il vous plaît. Parce que s'il y a une disqualification, moi je recommence pas. Voilà. Attention, attention. Vas-y, viens, 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 viens. Eh ben non. Il m'a pété le nez. Bon, par contre, ça... Oh, magnifique contre. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Et un. C'est tout. Voilà, là, on est mieux. Comment ça, hein? Bah, par contre, je pense que l'idéal, ça serait de faire le tomber sur Liv Morgan. Ça m'intéresse plus. Et je pense qu'on peut potentiellement en préparer un.
Je me sens bien là, je me sens bien. Pourquoi faire durer alors qu'on peut terminer en beauté? Monsieur l'arbitre, vite s'il vous plaît. Et un. Et deux. Simplement deux. Et ouais. Bien joué, Liv. Par contre, si tu veux, je vais te montrer c'est quoi le taureau. Le taureau ailé. Ah, la même chose. Un nez cassé partout. Remise en jeu. Pourquoi pas tenter de tomber sur ça. J'aime bien, c'est souvent des prises que j'affectionne. Oh, simplement deux aussi. Magnifique. Bien joué. Bien joué à Liv. J'ai l'impression que notre ami Damien Twist a envie de se battre. Là, je le sens. Je le sens chaud pour ça. S'il a envie, on va lui en proposer. Allez, viens. Let's go! Voilà, des petites patates, bim! On y va encore, on y va, comme t'es là. T'es prêt? Attention! Décapitation en 3, 2, 1. Et voilà, magnifique. Non, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas, Dodo. J'ai dit quoi? Arrête de bouger! Oh là là. Que ça, c'est une prise de position, prise de force. Moi, tu me fais ça, je bouge même pas. J'essaye même pas. Dommage. À quoi bon essayer de bouger dans ces moments? Oh, bien joué. Oh, par contre, ça, c'est... Oh, ouf, ouf. Je sais plus où je suis. Je ne sais plus où je suis. Il nous a fait quelque chose de très, très joli. Par contre... Là, c'est beaucoup de mouvements inutiles. Ça sert à rien de faire trop compliqué. Vas-y, Damien. Olé. Encore un petit peu pour le spécial, je compte sur toi, allez. Une prise simple, simple, efficace. Allez, dis simple, efficace. Voilà, oh, ça c'est bien, ça paralyse un peu les sens. C'est très très fort de faire ça. Livé de retour. Par contre, celui qui ne sera pas de retour, je vous le dis, c'est Dodo. Allez, j'avais dit qu'on ferait un tombé sur Liv, mais si on peut le faire sur Dodo... Eh bien, ce sera Dodo. Monsieur l'arbitre, on y va. Et c'est que les femmes peuvent taper les hommes pour casser. Par contre, l'inverse, c'est disqualification. C'est vrai. J'avais oublié. Je pensais que ça passerait. Oh là là, magnifique. Allez, c'est bon. Fais une petite sieste, toi. Eh bien, je vais pas vous mentir. Ce qu'elle vient de se prendre, là, j'aurais pas aimé me le prendre. Non, 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 pourquoi? Comment t'as fait? Elle va nous faire son finisher. Et ben non. Je vais rien comprendre. Ouais, elle nous a download, comme on dit. Mais t'inquiète, j'ai un antivirus. Tout se passe bien. Si elle veut que je modifie ma façon de frapper, eh bien, je vais modifier moi aussi. Y'a pas de souci. Et ça fait mal au dos, ça. Un lumbago. Comment on appelle ça? Alors je me souviens un peu comment les mal de dos qu'on peut avoir. Je veux dire une sinusite, mais pas du tout. La personne qui confond tout. Attends, lumbago. Oh, j'ai plus les mots. En plus, j'ai eu une fois ou deux déjà ce mal-là. Bon, bah, ça m'arrange un peu que ce soit Dodo. Mais j'aurais bien voulu finir Liv. C'est dommage. Oh! Eh ben non. On sait faire quoi là? Parfait ça. Marteau pilon. Par contre, ouais, Liv qui est un peu fatigué. On va devoir gérer sans elle. C'est pas grave. T'es prêt? Bien joué. Franchement magnifique. Très très beau compte. Je valide. Je valide, je valide. Mais par contre, il me manque pas de respect. D'accord? D'accord, il manque de respect. Ça y est, il s'est cru dans San Andreas. Je vais lui montrer. Attention. Dommage, je l'avais le contre. Le timing était bon. Mais ça va pas. Par contre, j'espère que Rare Replay, voilà, elle est de retour. Parce que là, on va être dans le mal. Il va avoir deux finishers à placer quand il veut. Bon, celui-ci, ça va. Au contraire... Attends, attention. Attention, ma petite Rare Replay.
On a dit quoi tout à l'heure? Allez, c'est fini. Finito pipo. Hop là. Déjà, nous on va faire inversement. Plutôt que de faire le spécial puis le finisher, on va faire le finisher puis le spécial. Juste cette prise, histoire de lui faire mal. Et de monter. Terminé, livre garde. C'est fini. Finito pipo. Ouais, mais c'est que ça. On va toujours bloquer ça. Donc je pense, maintenant qu'on sait que Dominique est KO, on le sait, on peut s'occuper de Liz tranquillement. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Attends, mais elle m'a fait quoi là? Elle m'a fait un mouvement en arrière? C'est un contre? Ouais, Damien, je sais, tu peux pas faire grand-chose, t'inquiète. T'inquiète, je suis là. Là, je la contre. Dans 3, 2, 1. Ouais, tout le monde est pour Liz Morgan, c'est bon là. Les Allemands sont contre moi. C'est pas grave, je vais leur montrer. Voilà, déjà. Et 2-1. Et 2-2. La double punition. Et je te conseille de pas te relever. Juste pour toi. Je te conseille de rester calme. Ne bouge pas. Et c'est fini. On a gagné. À la plus sa révolte. Et voilà, Dominique, lui, il sait plus quoi faire, c'est pas grave. Et j'avoue, ce deuxième match, vous avez vu qu'il était quand même plus disputé. On a quand même bien dominé, mais c'est pas si évident que ça. Et ce qu'on doit retenir, c'est la victoire du Jugement Day, bien sûr. Même si c'est un peu cassé tout ça. Mais c'est pas grave, bravo Damien Priest, bravo, excusez-moi. Rhea Ripley, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo spéciale Bash in Berlin. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout, allez. Salut.